La mitzvah essentielle de Kippour, c'est la tchouva. Maintenant, le Rambam écrit, il n'y a pas de mitzvah de tchouva. C'est pas écrit dans la Torah de tchouva. C'est écrit, mais le Rambam explique différemment le verset. Le Rambam écrit, il dit, quand on fera tchouva, alors on fera le vidouille. La mitzvah de la Torah, c'est faire le vidouille. Vidouille, c'est, en français on dit confession, je n'aime pas souvent, c'est les connotations chrétiennes, c'est, comment ça veut dire, je reconnais, j'ai péché, j'ai fait ci, j'ai fait ça, d'accord, je regrette et je prends sur moi d'arrêter. C'est une mitzvah assez de la Torah, comme c'est écrit dans la Torah, vidvato et tratatam sharasu. Ils feront le vidouille du péché qu'ils ont fait. Ça, c'est la mitzvah assez de la Torah. Maintenant, durant Yom Kippour, on fait 10 fois le vidouille. Maintenant, comprenez que quelqu'un peut faire toutes les prières de Kippour en pleurant, et il n'a pas fait la mitzvah de tchouva, il n'a pas fait la mitzvah de vidouille, parce qu'il lisait le texte comme ça. Il faut d'abord, c'est pas obligatoire, mais c'est très conseillé quand on fait une mitzvah, savoir qu'on fait une mitzvah de la Torah. C'est marqué la mitzvah, c'est chot comme la mitzvah, ont besoin d'une intention. Donc on aura l'intention maintenant, qu'on commence le vidouille, comme j'ai dit, il y a 10 vidouilles pendant Kippour, penser qu'on fait la mitzvah de Horaïta, de la Torah, de vidouille. Et regretter. D'accord? Tu dis à Hachem, je t'ai foutu un coup de pied, je t'ai craché dans l'oreille, tout ça, tu dis ça allègrement, et en pleurant, c'est terrible, d'accord? Donc, faire tchouva, c'est l'essentiel de la fête. Tout le reste, c'est les à côté. Et une autre chose qui est importante aussi, après chaque prière, donc il y a 5 prières à Kippour, on fait des slichot. Le point le plus important de slichot, c'est les 13 attributs de miséricorde d'Hachem. Hachem, Hachem, Kel Rachum Vechanun, Rachum Vechanun, etc. Il faut apprendre ce que ça veut dire. On dira ce texte-là, Hachem, Hachem, 26 fois durant tout Kippour. Chaque slichot, c'est un nombre différent. Le plus, c'est après Moussaf, d'accord? On est là encore 3, etc. En tout, 26. Maintenant, c'est un effet extraordinaire. Hachem s'est dévoilé à Moshe Rabbeinu en tant que Shéar Tzibour, ministre officiant avec un talit. Il lui a dit, quand Bnei Israël voudront que je leur pardonne leurs péchés, qu'ils disent ce texte. Et Hachem a dit à Moshe Rabbeinu ce texte-là. Hachem, Hachem, quel rachoum. Il a dit, vous ferez ça, je vous pardonne vos péchés. Donc nous, qu'on a envie que ce jour-là, Dieu pardonne nos péchés, il faut le dire. Alors c'est une récitation, c'est même pas ce que tu dis, ça vaut rien. Alors c'est pas compliqué, peut-être que je vous en parle maintenant, on va expliquer maintenant ce que ça veut dire, mais vous allez oublier, donc regardez dans les livres qui expliquent ce que signifie, tu peux le réveiller, t'es réveillé, c'est bon, tu peux, des livres qui expliquent le sens de, ces, de ce qu'on dit, c'est facile, sinon on perd beaucoup de l'impact de ces paroles. Hachem, c'est le nom de Dieu. Hachem, deuxième fois, d'abord on ne dit pas Hachem, Hachem, c'est interdit. Hachem, arrêt. Hachem. Que signifie ces deux Hachem? Hachem avant que tu fasses le péché, je reste Hachem après que tu fasses le péché. Quel, c'est le nom de Dieu, mais en tant que force en hébreu, quel signifie puissance. Lavan poursuit Yaakov et l'attrape et lui dit, Yesh le El Yadi la Sotimachem Ra, j'ai la puissance de vous faire du mal. Il dit, le El Yadi. Donc quand on parle du nom de Dieu, Aleph et Lamed, quel, d'accord, avec un Aleph, signifie puissance. Quelle puissance? De bien. Hachem est la puissance de bien. Rahum, miséricordieux. C'est quoi miséricordieux? Il y a Rahum et il y a Hanun. Rahum, c'est quelqu'un qui, il a pitié. On a pitié de qui? De quelqu'un qui fait pitié. Si quelqu'un ne fait pas pitié, je ne vais pas avoir pitié. Donc la Rahmanout, c'est quelqu'un qui, que sa pitié se réveille lorsqu'il voit quelqu'un qui est pitoyable. Hanun, c'est autre chose. Hanun, ça veut dire du mot chinam, signifie gratuit. Que Dieu a pitié de nous, même gratuitement, qu'on ne réveille pas à la pitié. Ça va, tu as la santé, tu as l'argent, tu as tout ce qu'il faut bien, il n'y a pas quelqu'un qui est miskin, qui a tous les malheurs du monde, Dieu a pitié de lui. Alors, ça réveille la pitié de Hachem, Rahum. Quelqu'un qui n'est pas pitoyable, tout va bien chez lui, il n'a pas besoin de la pitié de Dieu, mais il a besoin de la Hanina. Hanina, c'est la grâce, d'accord? C'est-à-dire, c'est gratuitement, Dieu pardonne. Rahum vechanun. Erech apain, il a la patience. Normalement, quelqu'un fait un péché, tout de suite, il devrait écoper. Sur place, disparaître. Dieu attend. Des fois, il attend 30 ans, 40 ans, 50 ans pour qu'il fasse tchouva. Et à la fin, quand ça ne va pas, alors il le fait payer s'il n'a pas fait tchouva. C'est pour ça que les gens souffrent avant la mort. J'en crois parce qu'il est vieux, il souffre. Rien à voir. Dieu sait que bientôt il part. Mon cher ami, tu as des factures. Je t'ai attendu 50 ans. Tu n'as toujours pas bougé. Bon, alors je suis gentil avec toi. Je te fais payer les factures ici. C'est mieux payer ici que payer là-bas. Erhapaim, Vrav Hesed, il penche vers le bien. Si on a autant de mérite que de démérite, alors ça penche vers le bien. Emet, Hachem, il est Emet. Emet,
de payer le mérite qu'on doit recevoir, et émettre aussi de payer le démérite, Chas v'Shalom. D'accord ? Émettre, notre chesed la alafim, il garde le chesed qu'on a fait, le bien qu'on a fait, la alafim, pour 2000 générations. Elef, c'est 1000. Alafim, c'est au pluriel, c'est 2000. C'est-à-dire, pour Olam Haba. Personne n'a 2000 générations. Il n'y a pas 2000 générations. Depuis Moshe Rabbeinu, on a environ 120 générations, grand maximum. D'accord ? C'est pas énorme. Alors, le chesed qu'on fait, il reste pour 2000 générations. Le mal qu'on fait, il revient pour 4 générations. Combien c'est 2000 par rapport à 4? 500 fois plus. De là, on apprend que la mida de bien d'Hachem est 500 fois plus forte que la mida de din. C'est connu, d'accord? 500 fois plus. Notre chesed l'afim, nosé avon, va fesha v'achata v'enake. Il, nosé, il supporte, il pardonne. Alors, il y a trois péchés. Nosé avon, pécha v'chatat. On ne va pas aller dans l'ordre, on va aller dans l'ordre de gravité. Le moins grave, c'est chatat. Chatat, c'est quand on fait un péché de façon involontaire. Avon, c'est quand on fait un péché de façon volontaire. Et pécha, d'où le mot péché en français, signifie exprès. Tu peux maintenant, t'entends Amir, tu as maintenant deux morceaux de chocolat. Même goût, même prix. Un bon, un moins bon. Tu prends un bon, les deux sont même bons, le même prix, même goût. Et tu prends un cachère, tu prends le non cachère. Ou bien, pour embêter, voilà, ça le fera les pieux religieux, ou bien, tu n'as rien à faire. D'accord ? Ça s'appelle maintenant l'achis. C'est beaucoup plus grave que exprès. Tu sais que c'est interdit, mais tu ne tiens pas le coup, c'est trop bon. D'accord ? Alors ça s'appelle avon. Tu ne savais pas. Puis après, oh là là, zut, il n'est pas cachère. Khatat. Je sais qu'il est cachère, mais c'est tellement bon. Il n'est pas cachère, mais c'est tellement bon, je le prends quand même. Ça, c'est avon. Pécha, je sais très bien que ce n'est pas cachère, et je peux prendre un cachère, et je m'en fous, je ne pas exprès le nom cachère. D'accord ? Ça, c'est l'achis Hachem Ishmor. Il y en a comme ça, hélas, plus beaucoup, mais il y en a encore des gens comme ça. Voilà, ça c'est en gros ce qu'il faut penser. Faites des revisions là-dessus sur les 13 articles de miséricorde d'Hachem, parce que c'est l'essentiel des slichot. Tout le reste, c'est très bien, c'est des prières comme il faut bien, mais l'essentiel, c'est cela, et faire tshuva pendant la fête la grande fête de Yom Kippour. Demain, c'est un jour de fête, il faut manger beaucoup. Comme je dis, aller au mikvé, c'est bien de se faire fouetter dans le dos, avec une ceinture de cuir, on se dévoile le dos. Pardon ? Non ? Non, parce que du temps, il s'est fait avec une ceinture de cuir. On fait aussi avec une ceinture de cuir. D'accord ? Pas manger, messieurs, ça concerne les jeunes hommes comme vous. Pas manger les choses qui risquent de vous faire avoir une pollution nocturne à Dieu ne plaise. L'ail, la graisse animale, le poisson, c'est bien de manger du poisson demain matin. Peu. Pas après, parce que ça peut amener à la batala. Mais le poisson, c'est bien de manger le poisson la veille de Kippour le matin. Tous les œufs, le tonton Amir, les œufs, tout ce qui est lacté, d'accord, toutes ces choses-là font faire avoir Zerah le batala. Et comme j'ai expliqué, c'est très grave avoir Zerah le batala pendant Kippour, donc on ne mange pas de ces choses-là.